premier jour du tournoi. On est sur mon premier combat, donc c'est le quart de finale. Quart de finale du tournoi, donc contre le, il me semble, c'est le champion de Norvège. Hein. En tout cas, c'est un très bon boxeur qui vient de Norvège. Il s'appelait Tregen. Tregen, je sais pas le prénom, mais. Donc voilà, très bonne opposition, un gaucher. J'ai pas souvent l'habitude d'être opposé à des gauchers, donc ça m'a fait très bien travailler. Un boxeur assez dangereux quand même, qui venait avec des grands coups larges et qui m'a fait voilà, vraiment une bonne opposition. Il me donnait de la pression et j'ai su bien la gérer, notamment grâce au très bon conseil de Salem qui me donnait des conseils voilà, très, très clairs et très simples à suivre. Donc voilà, c'était un très bon combat. J'ai su faire ce qu'il fallait pour en même temps me gérer un peu pour les jours à venir, parce que dans ma tête le but c'était de faire 3 combats quoi. Et donc voilà, non, j'en retire une bonne expérience.
On est sur la demi-finale, donc face à Bakary Diabira, double champion de France, vice-champion de France cette année et qui avait remporté les ceintures Montana l'année dernière, il me semble. Donc voilà, très bon boxeur, très bonne opposition pour moi. Malheureusement, l'issue a été défavorable pour moi parce que je m'incline au point de grande justesse malheureusement. Mais bon, ça a été quand même une expérience énorme pour moi parce que j'ai pu me jauger au niveau d'un champion de France, donc vraiment le très haut niveau national. Et j'ai pas été ridicule du tout, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'ai réussi à le mettre en difficulté plusieurs fois dans le combat et même à finir le combat assez fort. Donc non, je suis satisfait du combat, de l'opposition que je lui ai donnée. Et voilà, c'est la malchance des tirages au sort un petit peu, parce que j'ai eu entre guillemets la malchance de tomber dans sa poule, donc qui sait, j'aurais pu aller en finale si j'aurais été de l'autre côté, et peut-être qu'en la fin en finale le combat aurait été différent, on ne peut pas savoir, mais bon, je suis pas déçu, j'ai pris une expérience énorme grâce à ce combat-là, grâce à la quart de finale aussi, au quart de finale aussi, donc non, c'est vraiment une super expérience, maintenant à moi de finir la saison encore avec de beaux combats, pour prendre un maximum d'expérience et puis on verra ce que nous réserve la suite, notamment en septembre.